Ok, ça va pour l'instant. Non, ça marche pas, ça marche que contre les murs. Couchez, couchez. Tu trouves que c'est mieux? En vrai, je pourrais faire un petit mélange de toutes les armes là. Hop là. Yo, l'autre. Ah, viens. Eh, viens. Viens, loulou. Ok, je vais te... Je suis électrocuté ? Mais voilà ta lance ! Mais... Il est con, lui. Tu veux le finir ? Ciao ! Eh, faut que j'appuie. Oh, ce combat illustre. Wouh. Eh ben. Les grosses doivent leur plaire aussi. Waouh. Ça, c'était costaud. Oh oui, un deuxième pouvoir sur la lance, ça c'est très très bien. Alors attends, par où il faut que je passe là? Par là? Bon, on va retourner voir Eldis Vini. Et après? Nous sommes venus pour Eldis. Nous ne partirons pas avant d'avoir sauvé son frère et l'elfe blanc. Ah, il parle là. Mais Odin va continuer à chercher les morceaux du masque. C'est lui que cela concerne. Oui. T'as raison, je vais améliorer un peu ma lance là en jouant avec elle. Ok. Qu'est-ce qu'il est sage, ce Kratos. Et puis toi donc. Allez. Oh, foutu plante. Laisse-moi tranquille. Les plantes ici veulent nous tuer. Oui. Oh, sont genre ça là. Voilà, fous-moi la paix. Ok. Ah, on arrive là. Bonjour. On arrive au camp. Aha. Ah, cette gueule ridée, petit, appartient à Elka. C'est une Blue Thunder. Elle a un don pour suivre une Blue Thunder. Allez, je pense qu'il y a une petite cinématique là. Freya. Atreus. Ainsi, cette éclipse était de votre fait. Freya. Merci d'être venu. Bigvir en a profité pour s'enfuir. Et ton frère? Nous savons désormais où ils le retiennent. Beyla a déjà préparé les explosifs. Si vous voulez bien m'aider. Nous partirons dès que vous serez prêts. Avec plaisir, nous allons t'aider. L'aide d'un autre métamorphe est bienvenue. Va avec lui, Atreus. J'aiderai Freya. Oui, père. Ok. Alors, voyons un petit peu. Est-ce qu'on a... On a rien loot au niveau des armes et tout? Enfin, j'ai déjà équipé. Ok, alors on va aller voir quand même si je peux améliorer des trucs. Ça suffira. Commence à compter quand tu verras le signal. Viens, Kratos. Ah bah j'arrive, 2 secondes. Ah j'ai une amulette. Alors ça je peux pas améliorer. Par contre j'ai ce pommeau là. Il me manque des os pétrifiés pour l'améliorer. Wesh. Par contre je peux améliorer mes lames. Ah ça c'est cool. Améliore les lames. La force, ouais. Moi, je vise beaucoup la force. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est un truc qu'il faut vraiment mettre en avant. Un besoin spécial. Ok. Est-ce que j'ai bien... J'ai pas de pierre de résurrection. Ah si, j'en ai une simple.
Ok. Est-ce que je peux vendre des trucs? Je peux vendre des choses en vrai. Genre ça. Ça, je pense que j'en ai pas besoin. Hop. Il n'y en a pas là, il faudrait mes os. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me donne des os? Non, il n'y a rien qui me donne des os. Allez, allons-y, Freya. Il est mignon à croquer. N'approche pas. J'aurais dû le voir il y a 2 hivers. Il est même plus à hauteur d'yeux. Oh, arrête. J'ai rien contre un petit homme qui pousse. À plus, Atreus. Ah, à plus, Atreus. Mais parfait, les ça. Loups vont donner un sceptre. Ils répondront si nous les appelons. Bien. Il existe un raccourci pour atteindre le temple de Njord de jour. Les Aenerias retiennent frayeur dans le temple de ton père. Dans mon souvenir, il a toujours été vide. Il y a un hôtel céleste de l'autre côté de la rivière. Selon Bigvir, l'hôtel servait autrefois à appeler les loups. Et nous avons maintenant le sceptre qui nous permet de le faire. Allez, let's go! Quel est ton plan? Une fois au temple, j'enverrai à Beyla et Birgit. Allez, bosse Freya, là! Pour qu'ils lancent leur diversion. 1000 ans pour prendre sa goutte d'eau. Il sera bon de ne pas en faire les frais pour une fois. Nous profiterons de leur distraction pour prendre à revers la force principale. Pendant qu'Atreus et Hildis Vini se faufileront pour libérer ton frère. Oui. Et lorsque nous verrons leur signal, nous nous retrouverons sur la rive pour fuir à bord du bateau de Freya. Ok. Oula. Arrête de faufoler. Tiens pas. Quoi? Ma hache est pas partie assez loin. Ok. Alors attends, où suis-je? Est-ce que j'ai des trucs autour de moi ou pas? Bon allez, je vais la suivre. Oui, il faudrait que je vise un peu mieux, ouais. Là, il n'y a pas besoin de viser au moins, ça c'est bien. Attention, ça va exploser. Ok. Il y a encore un, c'est ça? Allez. Tout va bien. Tout va bien. On continue. Vous vous draguez pas, non? Vous vraiment vous traversez en silence complet? Ok. Bon. Ah! Une copine! Oh là là! Bon, allez-y. Comment lui esquiver? Et ça, t'esquives ça? J'arrive, j'arrive, je monte. Voilà. Pardon, Freya. Oui, je... Hein? Un loup-garou, ça. Je reconnais. Mais il y en a deux? Ok, ok, ok. Je vais essayer ça. Waouh, c'est trop bien. Ouais, ouais, faut que je me casse de là. Pourquoi? J'esquive pas, c'est ça? Je comprends. Ok, toi tu meurs. Oh, mais vous allez arrêter.
Oh, regarde, elle est pas vite, j'utilise ma bravoure. Oui, je suis pas la meilleure joueuse du monde, ça c'est clair. Ah, c'est dégueulasse. Il nous embêtera plus, lui. Il y a encore des méchants ? Il y a encore la musique, donc je pense. J'arrive ! Ok. Oh mais... Putain, je vois rien. Oh, ok, plus qu'un. Tu vas mourir. Oh. Oh putain. Nous sommes trop désavantagés. C'est clair. Allez, on avance. J'ai bien cru qu'on allait y passer. Oui, oui, j'y vais, je vais la buter. Elle est où? Je l'ai vue là. Ah, notre céleste a été ajoutée. Alors, attends. Où est-ce qu'il est le truc qui les soigne là? Je l'entends. Je la vois pas. C'est ça, il est caché là-dedans. Ah non, mais non, c'est ça que je veux faire, brutive. Allez, voilà. Bon, ça, c'est juste par acquis de conscience, tu vois. Quand je vois les petites statues, là, j'ai pas trop confiance. Ok. Il était caché là-dedans. Alors. C'est ça, M. Céleste ? Non, ça peut être ça. Quoique. Ah non, ça doit être ça. Tu vois ? Essaie de faire glisser le sceptre dans la cloche. Hello, motherfucker. Mustatic-Bav et deux rejoint les bikers. Merci, Mustatic, pour le follow. Merci, toi, bienvenue. Ça appelle les loups, ça? Ah non, ça fait changer le... Ok, il fait jour. Ah oui, comme il fait jour, ça pousse la plante, quoi. Il sort demain, le DLC. Nos actes dans ce royaume sont ceux de la prophétie des géants. Atreus croit le Ragnarok inévitable. C'est pour ça que dans le titre, c'est écrit « En approche », pas écrit « Il est là ». Oh, c'est super joli. Toi aussi, t'es jolie. Quand tu seras mort. Ça dégage. Attends, mais pourquoi ma manette est... Ouais. Bon, ouais, moi aussi, ça m'a secoué le crâne. Hein. Voilà, ça dégage. Autre chose. Les Nords n'ont dit que tu tuerais Heimdall, mais tu as choisi d'emprunter une autre voie. Lors de notre rencontre, rien ne laissait croire que tu prendrais cette décision. C'est vrai. Et toi, cherches-tu toujours le Ragnarok? Odin a de nombreux comptes à rendre. Si la prophétie de Groa se réalise, peut-être mon royaume connaîtra-t-il enfin la paix. Et peut-être que moi aussi. Et peut-être. Ça fait beaucoup de peut-être, quand même. Mais ne venons-nous pas d'établir que les prophéties ne sont qu'un tas de sottises? Par les dieux, Mimir. Quoi ? Oh, le petit bug. Tu es l'homme le plus agaçant qui soit. Bon, attendez, je sauvegarde. C'est un moment que j'ai pas sauvegardé. Et comme ça, j'en profite pour initialiser l'image et le son. C'est ce petit moment, coupure, on l'enregistre. Alors. Un coffre là-haut, ok.
Hihi. Là, tu sais que c'est un coffre que tu peux pas avoir sans avoir ta lance. Donc, tu es obligé d'avancer à un certain moment dans le jeu, quand même. Tac, tac. Hop, je fais un petit truc. Ok, on avance. Merde, c'est pas la première. Attends, est-ce qu'il y a des choses par ici? Une plante qui veut du mal. Je peux pas la congeler, hein, c'est dommage. Je ne fais que passer. Je voulais voir ce qu'il y a ici. Un coffre qui a été ouvert. Et merde. Je mène pour aller de l'autre côté. Ok. Ah merde, ça sauve pas tout. Alors. Faut qu'on fasse comme ça. Ah non, faut que je fasse les deux en même temps en fait. Je fasse les deux en même temps, donc genre si je fais ça. Bon allez. Ah! Ah! Aïe! Ah putain! J'y suis allée au pire moment! Les Nornes ont dit que tu tuerais Emdahl, mais tu as choisi d'emprunter une autre voie. Attends, après qu'on le tue plus tard. Hein. Et toi, donc là, on l'a pris le coffre. Cherches-tu toujours le Ragnarok? Il plus. Okay. Odin a de nombreux comptes à rendre. Alors, si la prophétie de Groa se réalise, peut-être mon royaume connaîtra-t-il enfin la paix. Et peut-être que moi aussi. Pardonnez à cette pauvre tête portative, mais ne venons-nous pas d'établir que les prophéties ne sont qu'un tas de sottises? Par les dieux, menhir. Allez, 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 cours. Ok, c'est bon. Pareil, là, le coffre a été ouvert, mais merde. Ok, on avance alors, hein. Mia. En voilà d'autres. Allez, on avance. Bonjour. Attention, qui passe. Bam! Elle est costaud, elle! Non, pas tant que ça. Ok. Qui est l'autre? Oh, y'a lui là, regarde-le! Hop là! Allez, c'est parti! Je prends sévère là. Allez. Ouah, mon bouclier, pourquoi j'ai pas mon bouclier de merde là? Ok. Genre il s'est recongelé quoi, je rêve. Everything is okay. J'ai eu un petit peu peur. Ou même. Oh la vache. Ok, tout va bien. Ce petit truc bonus. Ok. Trop facile. Comment avoir de l'argent? On avance. Prudence, c'est le mal alpha. C'est un boss. Pas de soucis. On va y arriver, hein. Je vois même pas pourquoi on en doute, finalement. Ok.
Ah, qu'elle est pas mal la lance. Hein. Je m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils mettent une grosse claque dans ma gueule. Et on continue. On va pas se laisser avoir. Donc là, je suis full life, on va dire. Bah attends. Non, 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 on ne peut pas par ici, viens là. Tu le savais ? Je veux vraiment monter quoi, hein. Oula, je suis un peu loin, là. Oula, là, 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 ça se passe pas bien. Oui, s'il te plaît. On récupère un peu de santé. Mais il me fait trop mal, l'enfoiré. Tu vas ronger tes griffes. Bah oui, bah, énerve toi pour Freya, s'il te plaît. C'est mignon. Avec ses petites ailes de Valkyrie. Ah, je fais la baleine. Oui, c'est bien ça. Putain. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez! J'ai pas envie d'utiliser toute ma pierre de résurrection, c'est pour ça que je la garde. J'étais bien là! C'est le mal alpha, elle a dit. Mal alpha, on va le défoncer. Allez, c'est parti! Prudence, c'est le mal alpha. Franchement, on va y arriver. Tu vas te calmer, mon petit loulou. Enfin, quand j'arrive pas à esquiver comme ça, ça me plaît pas. Ok. Wow, depuis quand tu m'attaques comme ça, toi? Oh damn. On récupère de la vie. D'accord. C'était le symbole du bouclier. Je fais bouclier, il n'y a rien qui fonctionne. Ah oui, pardon. Ouh, allez, on continue. Mal alpha, il n'est plus là. Fais toujours les quêtes pour avoir les bonnes reliques.
Ouais, je pense qu'il y a des choses à faire, mais je suis pas bien. Oh, il a été coupé en deux. Oh, je n'en doute pas. C'est étrange toutefois. Que faisait-il ? Il y a des bonnes combinaisons à avoir, etc. Je pense, mais moi je. J'ai pas encore le truc, je pense. Nithog protège ses racines. Ils sont plus faciles à tuer quand on a les bons trucs, ouais. Bonne relique, etc. Odin s'est servi d'elle. Et elle en a malheureusement payé le prix. C'est typique d'Odin. Ah, faut que je mette une lance. Hop là. On y va ? Wouhou ! Je crois qu'on arrive au temple. Ouh, il y a de la vie devant. Ça annonce un combat, ça. Nouvelle zone révélée. De faire beaucoup de bruit lorsque nous lancerons la scène. Ok. Nous les distrayons assez longtemps. Eldis Vini et Atreus pourront entrer et ressortir sans qu'on les voie. Je ne m'inquiète pas pour Atreus. On va juste se battre, quoi. Il est prêt à se battre seul. Nous y sommes. Il y a un hôtel derrière ces ronces. Ok. Let's Appelle Skull, s'il te plaît. J'appelle Skull. Ah oui, parce que comme c'est la nuit, du coup, les trucs oranges là vont s'enlever. Oh, es-tu prêt ? Ok. Oui. Et toi ? Je ne partirai pas d'ici sans mon frère. Je pense que ça comprend la... logique. C'est plutôt bien foutu. Bah allons-y. Allez. Nous venons te chercher, Yngvi. Come on. Tu fais les flèches d'artifice ? Oula ! Ah, mais j'aurais peut-être pas fait la maligne. Oh non, c'est une dalle. Oh, les imbéciles. Oh, voyez-vous ça, la reine du Guy en personne. Il la rend vraiment. Le jeu est très bien fait, bien sûr. Emdal. Et toi ? Tu dois être le père du petit bâtard. Qu'est-ce qu'il nous veut, lui ? C'est mon jour de chance ! Tu as des comptes à rendre, mon lapin. Toi aussi, traître. Je préfère être un traître que le toutou d'Odin. Va. Ce fardeau est le mien. Non, mais tu vas mourir. Je sais. Mais tu es attendu ailleurs. Il a raison, tu sais. Les braises étaient encore tièdes lorsque je suis parti. Oh putain, mais... Je sais. Oh, ça va être dur, là. Mais nous savons comment ça se terminera. Allez. À bientôt. Oh, nous savons tous les deux que c'est faux. Mais ne t'en fais pas, Frigg. Je viendrai pour toi et ton cher frère dès que j'en aurai terminé, ici. On va vraiment se battre contre lui ? J'ai envie de fuir. Allons-y. C'est où la sortie ? Ok. Ok, faut que je tape sa bête. Ok, allez, let's go. Oh. Il fait vraiment ça. Je ne vais pas mentir. Je suis déçu. T'es déçu de quoi ? Bouge ! J'ai vraiment un tonneau sur la gueule. Ok. Très mauvais timing, ça, celle-là. Ah oui, c'est vrai que c'est moi qui ai tué Baldur. J'ai oublié ça. Oh, oh ouais, je vais mourir là, en fait. Y'a pas de santé quelque part. Putain, il est rapide l'enculé, hein. Oh.
Hulk Topper, il l'appelle. On dirait un vieux prénom d'Harry Potter. Le sorcier Hulk Topper. Écoute-moi, Sylvie Frost, cadeau de la maison. Non, mais si, ça ira. J'enlève quasiment pas de vie. Non. J'ai pas fait l'esquive de... Putain. C'est trop bien. Très bien, juste toi et moi dans ce cas. Y'a plus de Hulk Topper. Non. Joli bâton. Oh. Qu'est-ce que... Oh, j'ai cru. Je sens ta frustration. Oh putain, ça va être extrêmement satisfaisant. Et maintenant, mon frère, la lance est notre meilleure chance. Bah ouais, mais... Allez. Au revoir. Oh, pardon. Tu espérais que le bâton te donnerait un avantage? Bah ouais. Je retente ma chance. Hey, doucement. Des brassards tout neufs. Ok. Putain, il bouge vite son culé, hein. Ouais, il faut que je l'étourdisse, quoi. Je sais pas trop comment, mais... Si je fais ça... Merde. C'est pas ça, non? J'ai très arrogant, oui. Ah! Y'a sa barre rouge là, il faut que je la remplisse. Si j'en mets partout. Ah! J'ai tenté un truc. Ah, il a dit non là, monsieur, il a dit non carrément. T'es trop près de moi. Hein. Voilà. Allez! Bam! Tu m'as porté un coup! Bah oui! Ici, tu me casses maintenant! Bloquer ou esquiver les attaques lorsque le temps ralentit pour créer une ouverture à attaquer. Je ne me rappelle même pas la dernière fois qu'on m'a frappé! Attends, je comprends pas tout là! Rien qu'une fois! Il suffit de trouver une ouverture! C'est chaud, sa mère! Toi dans tous les sens. C'est mort. Je saurais dire si je suis surpris ou contrarié. Je crois que t'es contrarié. Bouge! Oh, oh, j'ai réussi à le toucher comme ça? Mettez ton bouclier! Tu sais, la douleur est moins terrible que dans mes souvenirs. Ah ouais? Et celle-là? Ah, et voilà! L'armure digne d'un dieu! Tu me frappes comme une bouteille vache! Tiens ton armure, range-la aux oubliettes. Pas si vite. Ton bouclier. Wouah. Après j'ai une Bifrost. Frappe-le, mon frère. Avec plaisir. Oh merde, dommage. Pas si vite.
J'ai compris que je vais crever parce que j'ai plus de vie. Maintenant. Je pense que tu vas pouvoir renverser Asgard. Non. Juste, j'ai envie de te laisser toi. Je te tiens. Frappe-le, mon frère. Ah, il part trop vite. Ok. J'ai plus beaucoup de vie, mais il y a des choix à faire dans la vie. Ouais. Fais ma gueule. Oh, il ne reste rien. Je suis pas sûr que ça le tue, ça, mais bon, au moins ça donne de l'espoir. Ah, j'adore, on le fait mal. C'est pas évident, hein, il est dur ce boss-là. Hein. Le Harry Potter de Wish. Que se passe-t-il dans cette toute petite tête? Oh non, 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 non. Petite tête. Tu comptes me laisser la vie sauve? Par pitié! Abandonne et tu vivras peut-être. C'est à propos de l'avorton? Oh oui, j'ai la ferme intention de l'étriper. Avec un bras en moins. C'était le dernier avertissement. Je doute que les avertissements suffisent. Tu penses vraiment que tu vas pouvoir t'en tirer comme ça? Ah, je l'aime pas, lui. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça marche comment? Pas de bras, pas de chocolat. Merde, c'est calendrier de l'avant. Oh, mais son bras, il revient. Bon, je sens que c'est le monde de deux. Le maître de mon destin. Tu es mort, mon lapin. Est-ce qu'on peut, on m'a redonné de la vie? Putain, on m'a pas redonné de la vie. Attends, mais tu veux que je fasse quoi contre lui, là? Pas si vite. Bon, ça va être très très compliqué. Beaucoup trop au sérieux. Ignores-tu qui je suis? Oh là là, mais c'est ciao. Je suis le veilleur des arts, le héros du Ragnarok. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Je vais trouver son sale bâtard de force et réduire son corps en pieds. Un seul d'entre vous s'en sortira. Ah ouais, tu crois? Et je peux t'assurer que ce ne sera pas. Oh merde. Bah, je vais mourir, hein. Je vois pas comment survivre là. Ah, il a un truc de santé sur lui en plus, là. J'ai vraiment couru pour aller chercher les trucs de vie. Avec son rire diabolique, là. Allez, t'as fini, mon petit loulou? Ah ouais, vous auriez tous couru? Y'en a pas un autre là? Oh putain! Ça me... Oh, j'ai les mains moites!
j'ai essayé d'esquiver au max. Non, mais il a plus de vie! Mon frère! Arrête! Ne t'engage pas sur cette voie! Il le tue? C'était vraiment... complètement con. J'ignore si c'est nous qui brisons le destin ou si c'est le destin qui nous brise. Non mais là j'ai honte, j'ose pas y aller moi. On n'était pas censé te tuer hein. Bon bah... ok. Oh putain, c'était chaud quand même. Et on continue l'aventure comme si rien n'était là. Ah bah là, il va pas s'en remettre. Hein. Ça me paraît compliqué. Et Freya, on va avoir besoin d'elle, hein, parce qu'on va devenir fou. Il a prévenu. Ouais, mais bon. Hé, un petit coup de main ? Au moins, le sauvetage se passe bien. Ouais. Oh, bah alors là, il va grogner pendant un petit moment, le coco. Hein. Oui, salut, c'est moi, j'ai buté Heimdall. Vous disiez quoi à propos des prophéties, déjà ? Alors attends, parce que du coup je sais même plus quelle arme j'ai là. Non, du coup c'est pas ça qui me faut, c'est celle-là. Alors attendez. Là ? Voilà. Oui, il y a un truc rouge là-bas, c'est cool ça. Ah, mais c'est la triche, pardon. Oula, oula, oula. Eh, ça va bien se passer. Attends, je vous en prie, tout le temps. Hop là. T'es pas que là Kratos il est pas content. Après y'a je suis là, t'inquiète. Tout va bien se passer bébé. Voilà, ok, toi tu es au rien, merci. Hop là. Pardon, je pensais que vous étiez tous morts. Non, j'arrive. Wow. Oui, d'ailleurs, envoyez les petites flèches à cette connasse. Mais attends. Mais pourquoi je suis buggée là? Voilà. Merci Beowulf, merci pour le GG. Eh, franchement, je m'en suis bien sortie. Je pensais pas, hein. Bah, il avait plus de café au petit-déj, putain, le bagnagnaï. Le gameplay il est quand même trop chouette de ce jeu. Si vous n'avez jamais joué, je vous le conseille de ouf. Oh! Voilà, très bien, hop là. D'autres personnes à buter? C'est encore la musique là. Ah oui, là-bas, ça arrive. Coucou! Wouah! Ah ouais, le gameplay de la lance, il est vraiment chouette. Hein. Celui-là, ce gameplay-là.
Et prenez ça, les enfants! Merci Kenny pour le follow, merci à toi, bienvenue! Alors, c'était rouge. À l'aide, à l'aide! Je sais pas quand est-ce qu'il sort sur le PC d'ailleurs. Je sais pas si ça a été annoncé une date ou quelque chose, non? Ok. Je suis à la prison. Ah, il va falloir que je porte. Pardon. Je peux très bien. Ah ouais? Je ne tue M d'allemand. Je viens de tuer un dieu, hein. Je dis ça comme ça, hein. Pardon, j'ai mis pause. Attends, mais il fait quoi le Kratos là? Ah, ok! Oh, c'est trop drôle! Ta gueule, frère. Estimation, on dirait novembre 2023? Bah, attends, on est en décembre 2023. Non? Bonjour, je suis Atreus. Mais lui croit que c'est le moment de faire des présentations. On y est bientôt. Oh, ça c'est stylé ces petites cinématiques. Hein. Continuez, nous sommes presque à l'arrivée. Ok, on y va. J'ai envie de vomir. Bon, ça va, tu préfères vomir ou mourir? Dans la rivière. Dépêchons-nous, ça ne les arrêtera pas longtemps. Mais oui, c'est trop stylé ça. Le bateau de frayeur. Ils vont se rassembler. Allons-y. Oh, tu le prendras sur PS5. Ah bah ouais, je pense qu'il faut que tu profites. Hein. C'est pas une belle équipe là, dis donc. Il est blessé. Ah, c'est son beau-frère. Vous savez pas encore, quoi. Le bis... Ah non, il n'y a pas de bisou. La popole qui vient dans sa tortue? Eh bien... Elle est devant toi. Tout ce que j'aurais à dire... T'as vu comme c'est joli quand même. Genre Atreus il fait comme son père. Oh non. Oui, il y a tant de fumée là. Qu'est-ce qui se passe? Vous auriez dû voir vos têtes. C'est un bateau qui vole? Du calme. Oh génial. Ils volent. On vole! Je savais qu'il volerait. Oh, c'est trop joli. On peut se faire attaquer par des bêtes volantes? On a de la compagnie! Oula, la manette, elle a... j'ai posé, elle a bougé comme ça. C'est impossible. Tu ne peux que aimer ce jeu. Incroyable. Quelqu'un peut m'aider? Non. Ils vont trop vite. Attention.
Non mais les images sont top, les personnages sont hyper attachants, l'histoire est incroyable. Tu ne peux qu'aimer. Qu'est-ce qu'il a là? Qu'est-ce qu'il... Il y a du sang partout là? Vas-y, raconte. Qu'est-ce qu'il dit? Il va se suicider là où je rêve. Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah... Un peu con lui hein. Mais il a sauvé l'équipe, mais on se verra au balala. Ou pas. Ok. Hein. Oui, un coup de slipper aurait suffi, mais non, il a préféré se jeter. Il y a vraiment une elfe noire dans la team, cochon. Ce plan est bizarre là par contre. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Bon sang, Birgir. Oh, allez. Tu penses vraiment que ça en est fini de Birgir? Tu penses qu'il a pu survivre à ça? Aha. Quelque part à se curer les ongles avec les plumes de la bête. Je le sais, il... Survivre à ça quand même, il est très fort si c'est le cas. Je... Il a survécu. Un petit doute. Nous y sommes presque, Ingvi. Tu dois tenir encore un peu. C'est pas comme si j'avais d'autres choix pour le moment. Est-ce que vous voulez vraiment rester sur cette planète, sachant que vous arrivez à vous faire kidnapper? Emdal est mort, certes, mais quand même. Lunda. Lunda, il nous faut du linge et de l'eau chaude. Une racine rouge et de la cardamine. Je sais, tu crois que c'est la première plaie que je referme? Oh, mais t'as pas de soucis à te faire, hein. J'ai pas touché à tes affaires pendant que t'étais dans tes galères. Oh. Bon sang, Lunda. Pourquoi tu t'en prends à moi? C'est pas moi qui t'ai embroché comme un cochon. J'adore. Freya, tu veux bien l'aider? Ou même... venir prendre le relais? Reste tranquille. Elle va te stabiliser pour que je puisse t'emmener chez Sindri. C'est là que sont toutes mes herbes. Nous restons ici pour protéger le royaume. Pardon? Tous les quatre. Vanaheim compte sur vous. Mais venez. Vous avez... Enfin, à quatre, vous pouvez pas sauver un royaume, en fait. Enfin, vous... Complètement con, ces gens. Cap sur la maison de Sindri? Où qu'elle se trouve? Ton bateau. Non. Je t'en fais cadeau. Oh, c'est, bon. C'est bizarre, là on commence à acquérir des choses pour un combat bord. Final où je rêve. J'ai peur. Sois digne d'un dieu Van. Parce que je vois pas qui sera le combat final pour l'instant. Génial. Le Uber qui arrive. Il ne m'a pas laissé le choix. Parce que c'était nécessaire, pas parce que c'était écrit. Il était un peu taré le mec quand même. Hein. On avait pas trop le choix. C'est vrai. La prophétie dit que le Galarorn sonnera le Ragnarok. Quoi que cela implique. J'ai fait des recherches dans la bibliothèque dedans. Non, Atreus, nous parlerons en privé. Mais il faut pas qu'on souffle dedans alors. Je savais qu'on avait oublié quelque chose. Ok, alors. Où est-ce qu'on en est un peu là-dedans? Ok. Il y a juste un petit truc, c'est que un petit marquage pour dire ce qu'on veut vendre ou pas, ça aurait été un peu pratique quand même. Ça, on va laisser, c'est plutôt pas mal. Ouais. Le bouclier, finalement, c'est le meilleur. Ça, on va garder, hein, récupérer. Déformer le temps et l'espace en exécutant un glissement de royaume.
Ah, mais ça, c'est le truc, du coup, d'Emdal, là. Confirme les dégâts pendant une courte durée. Vas-y, on va équiper ça. Et ça confère un accès de rage à l'étendue des ennemis à proximité. C'est pas mal ça aussi. C'est pas mal aussi. Putain, c'est dur de choisir les... ce qu'on veut mettre et tout. Bon, lui, il a rien de nouveau. Il a rien de nouveau. Ok. Niveau de l'armure. Ouais. J'ai une nouvelle amulette et tout, mais il faut vraiment que je mette le nez dedans. Dans tout ce qui est allumette. Amulette, je sais pas trop comment faire. Alors. Ah, j'ai un truc de corps à corps ici. L'un esquive, maintenez L vers l'avant et appuyez sur R1 pour attaquer. Bon, effectuez une double attaque. Oh, d'accord. Ok. Oh, on va se mettre un petit coup de timbre. Je peux débloquer ça. Effectuez des frappes supplémentaires pour prolonger la fierté et l'impuissance sur R2. Oh. Lorsque vous rappelez la hache, maintenez triangle pour activer rapidement les veines de givre. Chouette! C'est pas mal du tout. L'obstacle enflammé créé par une attaque terre volée totalement chargée et plus puissante et plus tendue. Donc en gros, c'est amélioration. Le coup de fouet ardent peut être chargé instantanément. Ah oh, ouais! Ah oh, ça c'est cool ça! Ok. La dague, il faut que je l'augmente. Et là, j'ai tout débloqué. On commence à débloquer beaucoup de choses, hein! Ah oui, je voulais voir si je pouvais améliorer des choses. Ils sont. Pardon. Alors, ça c'est fabricable, mais moi j'ai celui-là. Et je peux l'améliorer. Donc je vais l'améliorer. Niveau 7. Qui ajoute une onde percutante à la fin d'un combo de la hache. Je peux pas l'améliorer, c'est assez dommage. Attends, j'ai quoi là comme talon? J'ai celui-là. Qui a 23 de défense, qui passe à 29 si j'améliore. Celui-là a 25. Je vais le fabriquer. Parce que je pense que si je peux l'améliorer, il va être meilleur que l'autre. Il passe à 30. Ah oui. Bon, il est à 25 quand même, c'est pas mal. Ok, on garde celui-là du coup. Au niveau des boucliers, on est pas mal. C'est les mêmes. Un bouclier destiné aux combattants mobiles pouvant changer leur coup. Un bouclier permettant d'avancer sur l'ennemi en toute sécurité. Ils ont exactement les mêmes stats. Ah non, là c'est de la chance et là c'est du pouvoir runique. Ah, wesh Nidel. Pouah, ça change pas grand chose. Tiens, allez, on va mettre le nouveau. Histoire d'apporter un peu de nouveauté. Objets spéciaux. Ben, quand tu veux. Eh ben salut, ciao toi. Est-ce qu'on a une porte quelque part? Comment il court, Atreus? Oula! Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un gros cochon ça. Elka a flairé quelque chose. C'est peut-être important. On ferait mieux de la suivre. Ok, une nouvelle mission donc. Attendez, je vous renseigne les images, elles sont vite fait. Hop. Allons-y, let's go. Des traces. Celle d'Elka. Où tu nous emmènes, ma belle? Prenons le bateau. Alors? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? On n'est pas obligé de rentrer tout de suite, tu sais. Bah non, on va suivre les traces du coup. Il est con lui. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Salut Kenny! T'attends le CLT de demain et donc là pour me mettre dans le bain, tu regardes qu'elle stream. Eh oui, c'est pour ça qu'on s'est remis dedans. Regarde, des traces!
Celle de notre chienne à l'odorat développé, et nous sommes sur la bonne voie. Et moi, malheureusement, je pourrais pas faire le DLC avant janvier parce que cette semaine, je vais pas pouvoir trop jouer. Donc, je m'en mets un peu dans l'ambiance, j'essaierai de le finir l'histoire en janvier et après on enchaînera avec le DLC. Faudra pas que je me fasse spoil par contre, mais il a l'air vraiment cool. Sur le thème de Valhalla. D'autres empreintes. Sacrée pisteuse, cette petite baveuse. Où est-ce qu'elle nous emmène ? Mais pardon ? Ah là, tu te calmes toi ? T'as un nombre incalculable de runs ? Ah ouais ? Du coup, tu l'as fait en God of War et tout ? Non, non, faut la jeter, t'as une cloche. Bah, installe-toi, profite. Avec grand plaisir. Elka a laissé d'autres traces. J'ose le dire. Je m'excuse d'avance car mon niveau n'est peut-être pas le meilleur. Je préfère prévenir. Mes yeux peuvent me tromper. Pas à son museau. Est-ce que tu aimerais pouvoir. Mais j'ai pas encore fini. Même une fois l'histoire, tu te rends compte ? Non. J'ai trop de retard. Et elle reprend. Ouais, tout petit chien, une cochon. Je sais pas si t'es un chien ou cochon. Ah, tu la platines en plus. T'as dû en passer du temps. Eh ouais, tu croyais quoi que t'allais t'en sortir comme ça, mon porcorn ? Oui, mais non, mais j'essaie de prendre mon temps de profiter, mais je vais essayer de le platiner, je pense aussi à un moment donné. Le jeu est vraiment trop kiffant de toute façon. Ok. En fait, à la base, je voulais le faire en speedrun, juste faire l'histoire. Parce que je voulais prêter le jeu à mon frère. Je commence à bien kiffer, quand même. Ah, elle est passée par cette corniche. Ah, il faut que je change la... Pas la suivre à cette heure de la nuit. Oh, que je change la temporalité. C'est là où est utile ça. Et le jour se lève. Je suis maître du temps, en fait. Et hop là! On arrive, petit toutou. Elle va plus être très loin. J'espère. C'est trop stylé. Qu'est-ce qu'il est beau, ce jeu. D'après le trailer, le DLC sera une plus grande arène avec des phases ennemies et plus on monte meilleur et notre équipement est meilleur. Tu crois ? Non, je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Hein. Je pense qu'il y a carrément un truc, un bout d'histoire en plus et tout. Hein. Oui, tu verras bien demain. Mais je me demande comment ça va se comporter par contre pour le téléchargement du DLC, je sais pas trop. Est-ce qu'on est obligé de terminer le jeu pour y accéder ? Est-ce que c'est un... Je sais pas. C'est très stylé d'avoir un bateau volant quand même. Qu'est-ce qu'il a comme carte sur les gens? Ah non, c'est sa jupe. Survécu à une telle chute. Par magie peut-être. Oui, le de façon le trailer est. Question, enfin, pour moi, il donne situation. Aucune info intéressante, tu vois. Nous devrions pouvoir repérer Birgir de là-haut. Pourquoi tout le monde avait l'air d'avoir peur de cet endroit ? Mais tout le monde pense que Birgir est en vie, du coup. On voit que les portes de Valhalla et les phases de combat. Ouais, c'est ça, donc il n'y a aucun... Enfin, c'est intéressant, ce contenu. Ok. Bon, on a récupéré notre bateau. Oh, château. Il avait l'air en colère. Pourquoi, à ton avis ? Alors... J'ai la manette qui arrête pas de vibrer. Cela semble être les ruines d'une ancienne colonie Van Prosper. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça, je m'en souviens. Qu'est-ce qui se passe ici ? Raison de plus pour le meilleur dieu de la guerre. Bon, il y en a qu'un, ça va, c'est pas. Pas plus. Mais c'est un personnage qui l'interprète plutôt bien, c'est clair. Oh, c'est trop beau. Ah, cool, on a un portail de TP.
Accès mystique ajouté à la map. C'est-à-dire qu'on pourra revenir ici. Attends, mais il y a l'éclair ? Birkir est en vie ? Le dragon continue, mais pour longtemps. Il vivra. Allez. Vous voyez ce que je vois ? C'est un éclair. Mais il est gelé. Comme lors de mon combat. Ah ouais, c'est bizarre. Mais pourquoi il y en aurait-il un similaire à Valhalla ? Oui, non, c'est pas exactement le même Thor. Hein. C'est vraiment pas du tout le même cliché. Je suis en train de me faire cramer la gueule. Oh putain, mais il doit y avoir plein de trucs ici à fouiller. Je t'avais pas vu, toi. Oh, ça a touché sa tête inutilement. Putain, je peux pas du tout viser, là. Ok, voilà. Je voulais me planquer. Est-ce qu'il peut me donner de la vie ? Eh ben non. Un petit peu. Je sais pas trop où je vais là. Je comprends pas. Ah non, mais il a dit juste oui, c'est clair, il a fait. Oh. Ce n'était pas un cratère. Ok, j'ai de la santé, c'est mais cool. Quoi, une explosion. Il a dû être vraiment puissante. Je sais pas du tout où je vais, mais j'y vais. Hein. Aucun doute possible. C'est le même que l'éclair gelé de Midgard. Eh oui, mais c'est ça qui est bizarre. Je ne suis pas venu ici. Oui, il y a le même éclair. Bizarre, bizarre. Allez, mon loulou. Désolé. Oula, ça sent le combat ici. Ça sent le combat. Là, il faut qu'il fasse nuit pour que je puisse passer ici. Ok. Ok, ok. J'ai découvert une nouvelle zone, quoi. Je vois un hôtel là-haut. Si on arrive à l'atteindre, on pourra agir sur le temps. Je n'en doute pas, effectivement. J'entends des bruits de partout, j'ai peur. Côté céleste ajouté à la map. Et ça dégage. Voilà. Ça, c'est fait. Ah, c'est une porte scellée. On peut donc pas passer là. En tout cas, pas de ce côté. Ok. Continuons. Je pense qu'il y a un corbeau par ici. Alors, est-ce qu'on a que deux trucs ? Merde. Ah ah, il doit y avoir un troisième. On va voir un troisième, et peut-être bien de l'autre côté, donc ça doit être du haut. Bon. On va essayer de les défoncer, eux. Ça, il dégage. Oh, il y a eu un petit bug, là. Le truc. Ah oui, ça ralentit le temps. Oh, mais c'est cheaté ce truc. Voilà. Ok, ça marche. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Dommage. Trop tard. Oh là là là. Ok. Ok, je commence à prendre du pouvoir là.
Tu commences à prendre du pouvoir, c'est très très cool. Donc là, je peux l'atteindre que de nuit, ce truc-là. Ok, là-haut, pour grimper, je ne sais pas trop comment faire encore. Mais je pense que j'ai besoin de grimper pour ouvrir ici. Si je continue par là... Ah ! J'ai absolument pas regardé mes pieds. Ok... Oula. Qu'est-ce qui se passe par là? T'es méchant? On ne passera pas tant que la barrière séisme sera en place. Effectivement, tu as raison. Je me souviens plus comment on les bute. Merde.